Il a fait de Nîmes Olympique, il a essayé de le prendre au bon moment parce que personne ne voulait du Nîmes Olympique à l'époque. Il a eu aussi le devoir de m'appeler au sein de l'équipe première. J'ai essayé de remplir mon contrat. Je crois qu'on va y remettre un trophée d'honneur et je crois qu'on peut faire une ovation à Jean-Louis Gazot qui nous mérite bien. Alors, avant de passer au Bernard Boissier, qui a été un excellent joueur à Nîmes Olympique, qui a été international nîmois, lui aussi, fervent défenseur du club rouge. Attention, on peut dire rouge parce que vraiment, c'était un défenseur atypique. Je crois que Bernard, qui est venu ce matin, là, il était un petit peu fatigué en ce moment. Je crois qu'on peut y rendre un grand hommage. S'il arrive, on le récompensera. Après, on lui donnera le trophée. Mais je crois qu'il peut... On peut penser à lui et un grand moment, Bernard Boissier nous a fait régaler à Nîmes Olympique. Hein. Donc vous l'excuserez parce que bon, il était un petit peu fatigué et il s'excuse auprès de vous. Dans cette finale. Bon, qu'est-ce que tu as fait alors toi finalement? C'est un patron, il est là. Il est un patron. Qui est patron? Moi. Tu veux pas faire une belle photo de tous les trois? Et s'il te plaît, sur le terrain, tu vas sur le terrain. Patrick Chien. Mais oui, il va y avoir le coup d'envoi. Vous y allez tous les trois. Vous avez la main avec les pieds. Monsieur Charles. Avant 6 heures, parce qu'après j'ai amené le trésorier. Oui, je venais quand même mettre à l'abri un peu l'argent. Bonjour. Bonjour. Voilà le secrétaire. Alors, c'est pas ce général. Merci. Le mieux, c'est que tu prends, c'est pas la route de la veste, tu montes la route de la veste. Viens avant d'arriver à la droite, tu prends le chemin de la veste. Tu fais comme si tu refais.